Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 1D Radion Ruby et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo vraiment spéciale parce que je me suis enfin décidé à me prendre un micro pour mes vidéos en fait. J'avais un ciseau dans un bout de ciseau. Bref, je pense qu'on n'en aura pas besoin pour ça. Il n'y a pas l'air d'être vissé, rien. Il n'y a pas l'air d'être plutôt collé, rien. Okay. Ma nouvelle webcam, ça a été assez laborieux pour la faire fonctionner. J'ai dû installer plein de drivers pourris. Parce qu'elle n'était pas reconnue. J'avais le problème de l'image. Puis, problème de l'image noire. Pas pour qui ont fait cette boîte-là, mais c'est sûrement pour des sadomaso, parce que c'est hyper compliqué à déballer. Oula! Ok, bon, on va commencer avec qu'est-ce qu'on a. Un trépied, chromé Tamed Blue. Il est tiré Windows Vista, mais on s'entend-tu que ça va fonctionner aussi sur Windows 7 et Windows 8? Ben, ça serait stupide parce que je ne fonctionne pas pour Windows 7 et Windows 8, mais bon, à ce que j'ai vu, il était compatible. Bon, un port Nowhere. Que j'ai pas vu depuis longtemps. En fait, je l'ai vu seulement sur mon imprimante HP. Un guide. Mais on s'entend que c'est pas ça que vous voulez voir, hein? Et voilà! Mon beau micro bleu. Maudit que j'ai bien fait de le prendre bleu parce qu'il y a des traces de doigts. Oh my god! Putain! Bon, là, je l'ai. Faut juste avoir deux mains parce que sinon, ça va pas bien aller. Bon, ça a l'air correct. Et voilà le microphone de marque Blue. Un très beau micro avec des options, puis tout le kit. En attendant, on va lui faire attention. Je l'ai eu chez. Comment ça s'appelle déjà ce magasin? Sur Amazon pour 69 au lieu des 99$. Ça irait peut-être mieux si je retrouverais mon couteau. On va aider la partie de mon ciseau. Regardez. Abonnez-vous à ma chaîne.
commenter, partager et je vous retrouve tout de suite. Après de montrer un exacto ou un ciseau de quoi pour l'ouvrir. Alors restez là, je reviens tout de suite. En fait, ça va être partie 2 qui va s'appeler la vidéo.